comment avoir confiance envers le genre humain quand celui-ci ne montre que ses plus bas instincts? Il en est bien ainsi en période de crise, et Florence et Taylor en proie aux convoitises. Laurent II, dit le prince, et son épouse mort, leur fille seule héritière n'a pas un an encore. C'est la duchessina Catherine de Médicis, cachée dans un couvent, disant à ses ennemis, découverte et promise, au viol elle s'enfuit. Chez son oncle le pape, qui bien vite la marie. Chez son oncle le pape, qui bien vite la marie. Les découvertes causent bien des bouleversements, comme on en bien connu tous ces temps renaissants. Ainsi lors d'Amérique et de fastes dépenses, lidèrent les caisses du royaume de France. Mariée au fils cadet du roi François Ier, Catherine vit à la cour en femme cultivée, discrète, intelligente, elle en apprend les codes pour qu'au moment voulu, elle s'en accommode. Le moment ce n'est pas le sacre d'Henri II, où reine coquifiée, elle doit fermer les yeux. Où reine coquifiée, elle doit fermer les yeux. Les découvertes causent bien des bouleversements, comme on en sillonnait tous ces temps renaissants. L'imprimerie, les sciences génèrent des réformes, mais l'église de Rome condamne toute autre norme. Henri II, tout comme son père François Ier, s'est montré tolérant, humaniste, éclairé. François II ne succède à son père qu'un seul an, et le trône affaibli voit d'autres prétendants. Les cathos et leurs ducs veulent tout à leur guise, mais Condé protestant ligue et accroît la crise. Mais Condé protestant ligue et accroît la crise. Catherine régente, diplomate avérée, fait tout ce qu'elle peut pour les réconcilier. Bien à l'aise dans l'ombre, elle devient le bras droit et conseille son fils Charles IX, sacré roi. Les conflits d'intérêts ne cessent de grandir, pour que tout le pays désormais se déchire. Inéluctablement, voici la tragédie du massacre de la nuit de la Saint-Barthélemy. Et malgré Henri III qu'a soutenu sa mère, il ne peut comme son frère éradiquer la guerre. Il ne peut comme son frère éradiquer la guerre. Oh,